Et salut à tous et à toutes, c'est Conaltre et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre Let's Play du coup sur Fable 2. Et du coup on va aller à l'arène, yes let's go, souvent c'est un grand moment dans les fables. Alors vous devez remarquer, je me suis un peu changé, alors j'ai essayé d'acheter je voulais acheter des armures en fait donc j'ai fermé un peu. Mais en fait il se trouve que je me suis renseigné et en fait dans ce fable l'armure ne sert à rien. Genre il n'y a pas vraiment de vente d'armure, il y a juste des ventes de tenues. Et genre là pour l'instant toutes celles qui étaient proposées n'étaient pas ouf. Donc bon bah j'ai pris la moins pire. Et vous devez remarquer aussi dans mon dos j'ai deux armes super cool. C'était les meilleures que faisait le forgeron de Power Stone. Enfin quasiment les meilleures pour l'arbalète et l'épée. Puisque j'ai fait du coup, j'ai joué un peu de mon côté, j'ai dû jouer plus de 2 heures. À mon avis un gros tiers c'était des quêtes secondaires du coup pour la renommée. Et en fait les quêtes ne donnent que la renommée, ne donnent pas d'argent. Du coup tout le reste a été la moitié, enfin le morceau restant, la moitié sur du coupage de bois et l'autre moitié sur du service de bière à l'auberge. Donc c'était les deux travaux que j'ai fait. Et ça m'a permis d'acheter ces deux armes. J'ai monté à, je sais plus, genre 20 000 d'or. Et ça m'a coûté un peu cher, mais tranquille. Ouais, donc le système de travail, c'était vraiment pas. C'est un peu dommage, parce que c'était vraiment pas. C'est pas ouf, quoi. C'est répétitif. Et pas très très intéressant. Mais voilà. Après, je sais qu'il y a dans l'arène, il y a des. Des bandeurs, mais je suis pas sûr que j'aurais mieux que ce que j'ai. Parce que là, mon épée a fait quasiment le double, après, un peu moins, ouais, de celle que j'avais avant. Et je suis con, c'est parce que je me battais au fendoir. Ça sert à rien. Et du coup, pour les trois quêtes que j'ai fait secondaire, j'ai fait la quête sur laquelle on s'était laissé la dernière fois. Genre, juste, j'étais devant la quête pour les temples de la lumière. Et les deux, c'était des trucs de bandits. Un, libérer des otages, et l'autre, capture d'un bandit. Et en plus, c'était décevant parce que les deux étaient au même endroit. Donc, je suis allé à l'un, je suis ressorti en disant, allez où l'autre quête. Et en fait, c'était au même endroit. Je crois bien que tous les vainqueurs ont saisi cette chance. D'accord. La sécurité du secteur privé serait très lucrative, à ce qu'on dit. Bon, les chiens sont interdits. Par mesure d'hygiène, vous comprenez. Et bah j'espère que ça va pas être trop dur. En vrai l'arène dans le premier jeu est compliquée. Hein. Mais c'est un grand moment du coup. Après je sais pas si c'est comme dans le 1 du coup en mode genre on a plein de manches et si on s'en va pas on gagne de plus en plus et si on s'en va bah on va perdre. Enfin on perd le multiplicateur quoi. Marchand d'armes, il y en avait à l'intérieur. Bien, à qui le tour ? Ben, j'aimerais bien, c'est vrai. Oui, mais il faut encore que je réfléchisse à ce problème d'éthique. Je serais ravi de saisir cette opportunité, mais j'attends mes robes porte-bonheur qui doivent revenir du nettoyage. Je ne peux pas y aller, là. Mon arbalète a attrapé... Attends, une excuse, quoi. Toi, la nouvelle, c'est ton jour de chance. Ramène tes miches par là. Tu veux peut-être lire les règles. La plupart des candidats sont illettrés. D'accord, mais je veux juste vérifier la boutique d'armes. En vrai, s'il a mieux que ce que j'ai, c'est vraiment pas juste. On va voir. Donc ça, c'est juste de la bouffe. Je vais t'en acheter d'ailleurs. Et d'ailleurs, un truc bizarre, c'est que. Vous voyez, à chaque fois, ils proposent des potions. Mais à chaque fois, je peux en acheter qu'une en fait. Genre, il n'y en a pas plus que ça. Je vais prendre une de résurrection. On peut toujours servir. J'ai acheté de la bouffe aussi, pas mal de bouffe. Genre, vous voyez, café, par exemple, genre, ça fait 200 de santé, c'est pas mal. Le problème, c'est que j'ai acheté des trucs qui font de l'embonpoint. Mon perso, il va gagner un peu de. D'embonpoint, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pris que des trucs de pureté parce qu'il y a de la bouffe aussi. Tout ce qui vient des poissons, si vous voulez manger, ça vous rend maléfique. Acheter arme. Oui, elle fait 28, celle que j'ai fait. Y'a pas les comparatifs. Fait genre, je crois, 80 ou un truc comme ça. Et vous voyez, je me battais au fendoir, donc je me battais avec ça qui faisait 31. Donc ça fait 3 fois ce que j'avais et je me suis rendu compte que j'avais ça aussi dans mon inventaire. Le coulat d'acier, je l'utilisais pas. Donc je me battais avec le truc qui fait 31 alors que j'avais un truc qui faisait 50 littéralement. Mais tranquille.
On va vérifier au cas où, mais je pense qu'ils font, ils vendent toutes les mêmes choses. 71. Ah, elle est jolie, mais elle est moins bonne que ce que j'ai. Ouais, c'est bien ça. Elle est très chère. Et le fondoir aussi, très très bien. 83. Le fondoir, c'est un énorme rapide. Mais ouais, tant pis. Ce que j'ai est bien, je pense. Et encore une fois, il y a un boss que j'ai battu juste en me TP. Enfin, disant le pouvoir. Ça là. Derrière lui. Et en le bourrant de dos. Et. Je suis en mode genre, en fait, c'est juste trop fort. Genre, enfin, genre, les boss sont pas. Enfin, un boss seul est pas du tout habitué. Enfin, est pas programmé pour ça, quoi. Lui mange de douleur, de mort et de divertissement. Battez le temps. Viser pour faire un score parfait, réaliser 5 scores parfaits pour décrocher le premier prix. Ah merde. Ah du coup il y a des temps quoi. C'est pas juste de la survie, bon, on verra. Attends, j'ai pas le choix donc. Let's go. 3, 2, 1, top. Il y a un temps. Ça va faire... Comment cette fille va s'y prendre? La fourrageuse nouvelle saura-t-elle étancher la soif de sang de notre public? Elle a intérêt. Bah go, hein. Sinon personne ne lui lance pas de l'eau pour l'aider. Deuxième vague. 3, 2, 1, top. Tu as vu ça? Elle a fait un brillant. Avec l'arme actuelle. Troisième vague. Cette créature comme un brouillard. C'est genre ok, hein. Du coup, c'est le temps général. J'ai l'impression que ça se soit réinitialisé. Okay, c'était gros. On va un peu les bourrer. Bon, je suis même pas ma magie, je fais rien. Aïe. Aïe. Ouais, c'est tous les XP, c'est pas une mauvaise idée, mais un, ils devraient venir vers nous directement. Et deux, ils sont trop voyants, quoi. Ok. Et dommage parce que du coup elle est toute petite et on voit pas genre autour, vous voyez, on voit pas le public. 7 manches. Oui, couch, je mange. Oh, ça m'a donné un... Ça m'a aminci, ça, c'est des légumes. Du céleri, je crois. Ah, et donc on va changer de salle à chaque fois. Ok. C'est une grande arène du coup, s'il y a genre 7 salles différentes. Mais bon, it's ok. Et il faut aller en gagner combien? J'ai plus, 3. Désolé pour les lags encore une fois, hein. La connexion internet. Ça va être quoi? Et hops. Aïe. Je voulais faire ça. Là, je me trompe toujours et j'appuie sur une autre touche en même temps. Ok. Allez, reviens là toi. Ah mais... C'est ça qui font les morts. Allez, allez. Tu me gâches mon temps là. Oui. Deuxième vague. 3, 2. Je vais ramasser l'or, mais apparemment je peux ramasser. Donc marcher ici se fait des pièges, ok, j'avais pas fait gaffe. Ok. Jamais gagné en rapidité pour faire encore pour être encore plus efficace. Oh là. Donc viser les snipers parce qu'en général. C'est vrai que je peux faire ça aussi. Pas me coller au mur non plus, c'est chiant. C'est ça que eux ils peuvent marcher sur les pièges aussi, pas mieux que moi. Aïe. Je peux faire ça. Ok. En vrai, quand c'est des groupes, ça peut être chiant, mais en vrai, ça va encore. Ils ont peur.
coup ils me font perdre du temps. Je vais profiter pour faire ça. Voilà. Et si vous avez aimé ça, attendez de voir un peu les 6 manches restantes. Let's go. Ouais, parce que comme ça me fait des points pour mon arme, mais en plus je l'ai amélioré, donc en vrai c'est ok. Sans pièces, c'est pas ouf, mais ok. Ok, ok. Ah, j'ai perdu pas mal de vie par contre, j'ai pas fait gaffe à ça, faut que je fasse plus attention. Mais tranquille. Est-ce que je peux pas améliorer un truc? Oh, si, je peux améliorer le physique. Le physique, c'est quoi déjà? C'est juste la force à laquelle je tape, non? Je sais jamais. Les dégâts infligés avec les armes de mêlée. Ah ouais. La longueur de votre jauge de santé. C'est pas bien, c'est ça. Ouais, je vais mettre physique. Je suis trop en point. Et ça, j'ai pas assez d'expérience, ok. Au moins, voilà, je suis four. Troisième manche. 3, 2, 1, top. Encore des hops, mais hops magicien. Okay. Et ce qui explose, ok. En fait, ouais, vous avez remarqué que les... Bon, déjà, ils ont pas d'armes. Donc du coup, les mobs, si vous arrivez à les prendre par derrière, en fait, genre, alors, ils sont vraiment pas faits pour ça. Et donc vous allez juste... C'est bon? Il est mort? Ok. Ah, il y en avait encore un ici. Ok, c'est que des piégeurs. 2, 1, go. Hop là. Donc généralement, ouais, à partir du moment où vous attaquez dans le dos... Aïe. Je fais gaffe à ma vie. Le problème, c'est que des fois, quand vous allez dans le dos, l'IA ne comprend pas et genre, elle sait pas où trop vous mettre. Je vais garder le temps c'est fort. C'est ce qui me permet de me taper dans les ennemis en cas où. Bon, jusque maintenant ça se passe bien. En fait, je sais pas si genre. Ce qui est le mieux. Je pense que le prochain truc qu'il faudrait que je booste, c'est ma vitesse. Un marchand d'armes. Bon, je pense que je vais prendre des potions, hein. Attendez, je vais regarder juste ce qu'il a. Mais à mon avis, genre, juste. Ça me sert à rien. J'ai pris des trucs trop bien et en plus trop cher. Donc ça sert à rien, je vais juste acheter. Non, je vais pas vendre, je vais juste acheter. Café, c'est bien. Santé enfant, c'est bien. Santé banale. Volonté infusée, on s'en fout un peu. Résurrection, je le prends, même si j'en aurais pas besoin, je pense. Voilà. Nickel. Ok. Et vous voyez, du coup, j'ai remarqué aussi que j'ai mes marques aussi de quelqu'un de bon. Qui commence déjà à apparaître. C'était le cas la dernière fois, mais c'est vrai que j'avais un skin intégral. Ok, ça fait des zombies. Ah, ça peut être des ballerines. Quatrième manche. Zombies. Oh, le chrono est pété. Alors, eux, par contre, ils sont lents, ils ont aucune chance. Hein. Ils ont aucune chance, les gars. Je les enchaîne juste. Je suis juste trop rapide pour eux. Désolé. C'est chiant. Oh, je crois que je vois quelque chose dans l'eau en dessous. Tu vois quelque chose dans l'eau en dessous? Ma connexion. Encore une fois, à chaque fois je vous dis, faut jamais de tourner à ces heures-là et que j'essaie d'autres heures. Et. Je tourne toujours aux mêmes heures. Hein. Sorry. Allez go! Ça va, ils sont lents, ils sont très lents. Ouais. Non, il y en a un que j'ai l'impression que je pouvais pas taper. Tant que je tape avant eux, je suis ok. Et tant que je m'éloigne surtout assez.
genre, ça va. Aïe. Puis eux, c'est, en plus, c'est des corps à corps, donc je me prends pas de... Mais vous voyez, toutes les spells sont pas pratiques comme ça. Mais bref. Je vais arrêter de me plaindre. Ça lag pas. Ok. Je sais que je peux me TP avec mon pouvoir de temps, mais bon. Tranquille, tranquille. Aïe. Aïe. Ouais, ça va, je peux tanker. Je suis ok. Dans son dos, ouais. J'ai pas profité, c'est pas grave. Nickel. Crunch. Vous voyez, j'ai mangé de la tarte et ça m'a mis gros. Let's go. J'ai beaucoup d'XP, surtout du corps à corps, évidemment, normal. Est-ce que je prendrais pas un truc genre de la vitesse? Si je peux. Oui, je peux. Nickel. Et qu'est-ce qui me reste? Nickel. Ok. Parfait. J'ai pu prendre plus de vie et plus de tankage. Il y avait de l'or quelque part. On va le récupérer. Heureusement, c'est pas chronométré, mais... enfin, quand on mettrait entre les trucs, je veux dire. Mais oui, par rapport à l'autre, à la première arène, c'est dommage. Ils auraient vraiment pu faire, enfin, dans le premier jeu, faire pareil, en fait, une grande arène, avec des décors qui se rajoutent, pourquoi pas, pour justement changer un peu d'ambiance, mais... Cinquième manche. 3, 2, 1, top. Première vague. Ok. Oh, ça me rappelle mon enfant. Lente. J'ai passé mes jeunes années dans un fort de grandeur. Oui. Ils sont où? Je peux y aller ou faut juste que je les tire? Il faut que je les retire dessus. Heureusement que j'ai amélioré mon arbre. Je retiens. Regardons juste la tuerie, d'accord? Heureusement que j'ai amélioré, hein. Ok, ils arrivent au corps à corps, nickel. Ah, je pense que j'aurais pu monter par... La physique du jeu. Je pense que j'aurais pu monter par l'extérieur si je voulais. Enfin, par leur côté. Pourquoi elle veut pas. Hein. Nickel, ok, c'est full piège. On va aller chercher. Hein. Ils sont relous, hein. Hop là. Oh, c'est trop chiant. Ils sont trop relous avec ça. Ma vie. Allez. Voilà. Hop là. Stop là. C'est relou. Ok. Ma vie. Ah, je sais que je peux péter les trucs explosifs, hein, mais... Waouh, nickel. Je pense que c'est un critique, ça. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Ils sont bons. Non, pas lui. Mais des fois, genre, ils sont quand même rouges et comme... Ouais, il se dort bien, lui. Oh, merci. C'est trop chiant les explosifs. Ah mais j'ai envie de pouvoir sans faire exprès. MDR. Tant pis. J'ai envie de pouvoir mais je peux pas. Putain, genre je suis en combat, c'est chiant. Troisième vague.
ma vie. Ok, donc là c'est que des boss. Il en restait encore. C'est un sup, hein. Ok. Donc, il en reste encore là, c'est pas grave. Moi je prends pas trop de dommages avec ça, c'est juste chiant. Parce que ça me brise un peu dans mon élan, mais. Ouais, ça va. Oui, un boss qui se fait prendre dans le dos. Et genre il peut rien faire, genre souvent il se prend genre coup par coup et. C'est vraiment la meilleure start. Voilà. Voilà, voilà. Je vais réussir à tenir les trois manches. Adresse, là, il m'avait mis. Non, c'est pas ça. Ça. Adresse. Ça, c'est pour mieux viser, on s'en fout. Un peu précision, ça peut être pas mal. Ou juste vitesse. Oui, vitesse, c'est 108, non. Je peux pas. On va prendre ça. Ce sera bien. Et est-ce que ici on va prendre un truc 144 000, 108 000, je peux pas. Peut-être la furie. Vous avez appris le mode furie enchaînement grâce à un timing parfait. Vous pouvez enchaîner les coups augmentant ce que. Ok, ok. Bon, je sais pas trop comment ça se déclenche, mais. Je crois que c'est quand j'ai ma lame qui est rouge. Bon, l'explosif c'était trop chiant. Hein. Mais bandit, d'accord. Ouais, c'était ok. Il y avait de l'or là-bas. Oh, 2000 d'or, ouais. Ah, je récupère, vu comment c'est chiant d'avoir de l'or en travaillant et qu'on n'a pas d'or en mission. Manche parfaite 3, manche restante 3. Ok, bon, j'ai fait la moitié, quoi. Oh, encore des explosifs. Non, explose ça. Je vais exploser l'autre truc, mais ça veut pas. Sixième manche. 3, 2, 1, top! Encore des bandits. Ils aiment bien les bandits, hein. Oui, hop, là j'ai mon arme qui est rouge. Quasiment sûr que je vais me faire avoir sur des explosifs. Hein. Si ça me fait tomber dans le vide et que je meurs, je vais être dégoûté. Ah, mais ils arrivent alors qu'on les a pas finis, quoi, genre. Waouh, c'est classe, ça. Allez, hop là. Ils restent sur les côtés, les petits pattes. Et de 1. Ok. Ma vie, ma vie, ma vie. Pas grave, je mange des trucs qui me font grossir. Mais là, ça, il me faut de la vie donc. Okay. Faut juste éviter les tireurs. Les tireurs, c'est le plus relou. Ça m'interrompt. Enfin, je sais que moi aussi, hein, je suis censé pouvoir. Enfin, je peux parer les coups si j'ai envie. Mais c'est juste chiant, genre. Guide en fable, parer les coups. Personne, voilà, on est juste tout pour un. Spectaculaire! Coup de boule! 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 Mais bon, ok, d'accord, j'ai compris. En plus, coup de boule, ça va faire moins de dégâts que mon épée, forcément, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vas-y, tiens-moi si je te dis rien. Je sais pas ce que je lui fais. Ok. Il y en a qui manquent là-bas. Venez pas, les gars. Les gars, ils restent à 2000 mètres, quoi. Non, c'était pas sur le mauvais mec, quoi. Il y a des gens qui arrêtent de pousser, j'en prends terre. Genre, ils devraient être quand ils sont trop loin, genre. Juste venir, quoi. Salut les gars. Ah,
Horrible. Par contre, toi, t'es gentil coco, mais voilà, je suis là. Non mais. Ok. Ok. Plus que. Alors ceux qui sont là-bas. J'arrive les gars. Si je me prends pas trop d'obstacles. Enfin, les gars. Au revoir. Et lui, il est pas mort. Si, c'est moi, il est tombé. Ok. Aïe. Médiocre, c'est gentil, les gars. Ça va, hein. Et là, c'est divertissant. Il en reste encore. Bah, vas-y, où? Bon, je prends les 2016 déjà. Ah, il y en a en face, là. Ah, ça active ça, d'accord. Ok. C'est vrai que je me demandais c'était quoi ces cubes. Dommage qu'il ne reste plus que deux manches. Manche terminée. Ok. Qu'est-ce que je pourrais acheter? En fait, je crois que le petit 1, le petit 2, le petit 8, c'est les trucs où je peux dépenser, où j'ai assez pour dépenser quoi. 72 000, bah je peux acheter la furie encore. Qu'un ennemi est sur le point de vous attaquer, appuyez sur X. Pour contrer son coup, il sera éjecté et retombera au sol. Pour se voir le coup final, ouais, bon. Pas sûr qu'avec le lag du cloud gaming soit vraiment très possible, mais bon. J'attends que ma vie remonte. Je vais aller récupérer l'or là-bas. Et on va pouvoir continuer. Je pense qu'on va se taper un ogre. Enfin, un ogre, un genre d'élémentaire, là. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Et en vrai, est-ce qu'on va vraiment se taper encore deux manches de... On s'est fait... Deux manches de... Enfin, on s'est fait... Non, on s'est fait une seule manche de moustique, là. Deux manches de Hobbs. Une manche de... Enfin, deux manches de bandits. On va peut-être encore se taper des bandits, hein. On doit avoir ce qu'il vous faut. Ah, y a des vêtements aussi, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, mais bandit, brigand. Brigand, oui, agressivité. Agressivité, agressivité, agressivité. Ah, beauté pour brigand. Ah, mais c'est moche. Enfin, désolé, hein, mais. Vous avez mon approbation. Bon, je vais l'acheter histoire d'eux, mais. Bonne journée. Voilà, ça je pourrais me changer si j'ai envie, mais. C'est pas très beau, quoi. Alors, café, je prends, santé, je prends, oh, c'est pas grave si j'accumule, hein. Ça sera pratique pour plus tard au cas où, résurrection, je pourrais prendre la volonté aussi, mais en fait, it's ok. Ça, c'est quand même généreux, hein. De toute façon, le jeu en général est simple, manche parfaite 3, manche restante 2. Je crois qu'il fallait 3 manches parfaites, non? 2, 1, top! Ah, les balles furies! Bah oui, évidemment. Si je peux avoir 2 dos, c'est parfait. Il faut que je puisse les empêcher de charger sur moi. C'est tout ce qui compte. J'esquivais là. Je fais trop mal. Hein. J'ai bien fait d'acheter mon équipement. Allez, on commande. Non, mais. Et mon pouvoir là. Aïe. Aïe. Voilà, dans le dos. C'est parfait. Hop là. Parfait. On va se soigner. Elles sont parues où? Ah, il y a une blanche. Il y a une blanche. Ça m'a changé mon pouvoir, je crois.
Ouais. Ça m'a fait les flammes. Non. Non, non, non. Je veux juste pouvoir faire... C'est rageant, c'est vraiment rageant. Le cloud gaming. Je vais mourir. Je l'ai éclaté. Ah oui, mais en fait, je suis surstuff en fait. Parce que. Rappelez-vous la première Balverine qu'on avait croisée? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ok. Bah, en vrai, enfin, genre, c'est la reine quoi, genre. De base, c'était genre méga dur. Enfin, c'est censé. Genre les meilleurs combattants de l'univers dans lequel vous êtes et tout et tout. Alors, j'ai fait 4 manches parfaites. Nickel. En vrai, il y avait quoi? Il y avait 8 manches. En vrai, non, c'est pas parfait non plus. Hein. J'ai fait la moitié de parfait. Il en reste qu'une. Ah, mais ça va être le troll du coup. Oh putain. Allez, allez. Rock and troll. Ouais, lui c'est forcément comme ça quoi, donc j'ai bien fait de... Oui. Alors lui sera pas parfait hein, mais bon. Mais ça va pas non plus si loin que ça, donc ça it's ok. Ah mais ok, mais tu triches mec. Il est pas une bestiole dans le dos là. J'ai bien vu. Peut-être moi qui ai halluciné. Non. J'ai pas halluciné. Bon les gars là, stop. Je vais prendre des coups mais c'est pas grave. C'est dommage cette, ce côté de pas d'armure quoi. Alors que vraiment dans le premier, enfin, je pense que vous le savez, hein, mais vraiment, toutes les, enfin, plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez avoir des armures différentes et tout. J'avoue, c'est moi qui ai pas bougé pour avoir l'XP. Hein. Ouais, ils sont où ces points faibles là? Médiocre, ça va. C'est dans le dos? Je sais pas, il se tombe vers moi tout le temps. Sinon, je. Voilà, je suis tiré. Ça me fait dire ce que. Aïe. C'est pas grave, c'est pas grave. On est ok, ok, on est ok. Tout va bien, tout va bien. Je vais pas sortir des petits verres là. Tu sais que je peux lui renvoyer ces trucs peut-être. Ça doit être ça. Lui qui me tire des trucs. Ouais, voilà. Ça va être impossible. J'y vais juste comme ça. Hein. Voilà, non, ça marche pas. Allez, pitié que ce soit des petites bestioles qui ressortent là que je puisse les avoir. Ah, ils sont dans son dos en fait. C'est bien ça. Quoique non. Je peux l'avoir dans son dos aussi, voilà. Si, si, c'est ça. Ok, il n'en restait plus qu'une. Ok. Je cours. De toute façon, il y a la visée automatique, donc je peux courir genre comme un bourrin. Je m'en fous. Je veux juste être dans son dos. Voilà. Trop simple.
précédent, pourrait-on penser. Son précédent, en même temps, c'est vrai que ceux qui étaient dans la salle d'attente, ils avaient pas l'air d'être très, très motivés. En effet, il ne nous reste plus qu'à féliciter notre glorieuse championne. Nous espérons que vous avez apprécié le spectacle sanglant et palpitant de l'arène. Pff, décidément. Oula, oula. Et à la prochaine, bien sûr. Il fait quoi? What the fuck? Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est genre, le fait de pas avoir de public dans l'arène, quoi. Vous avez remporté l'arène. Donc voici la preuve. Vous pouvez montrer vos trophées aux villageois pour accroître votre renom et les accrocher chez vous. Yeah. Genre, on entend du monde, mais j'en vois rien. Alors que dans le 1, vraiment, on est à l'air libre, on voit tout et tout. C'est parfait. Bon, bah ça va, je m'attendais vraiment à pire. Oh, déjà, en une demi-heure, c'est plié. Hein. Championne de l'arène. Merci, merci. C'est génial. La meilleure arène depuis des années. Une belle prestation dont on se souviendra très longtemps. Du moins, tant qu'il restera des gens pour en perpétuer le souvenir. Bonne chance, combattante. J'espère vous revoir un de ces jours. C'est ça. À condition que vous ne mouriez pas d'une horrible mort pendant l'une de vos quêtes. Allez, au revoir. Ok. Pourquoi est-ce que tu fais toujours ça? Votre victoire dans l'arène vous donne le droit de porter le nom de Cœur de Lion. Tous les crieurs publics vous proposent désormais ce titre gratuitement. Est-ce que c'est vrai que tout le monde appelle le moineau là? Toujours quoi? Les trucs que tu dis, ça compte. C'était fantastique. Je n'ai pas raté un seul des commentaires, pas un seul. J'ai même réussi à avoir quelques rounds. Celui avec les hobs, c'était d'enfer. Ça me donne vraiment envie d'essayer aussi. Ouais, c'est bon, prends pas la grosse tête. Le bateau sera trop petit. Bravo. Rare. C'est bon que je fais sa taille maintenant. J'ai plus ma stock qu'elle. La flèche ne va pas être une partie de plaisir. Tu devrais te reposer avant de partir. Si tu veux voir quelqu'un ou faire quelque chose... C'est le moment. Ah, c'est bon. Pour ma part, je vais aller sur les docks. Tu sais où me trouver quand tu seras prête à partir. Moi, je pense qu'on va y aller. Hein. C'est un peu dommage parce que pour moi, j'étais en mode genre, bah, tout là, ça va être l'arène, quoi. Après, en même temps, si l'arène m'avait duré une heure et demie, ça aurait été compliqué, mais bon. Ce sera dur d'en sortir. Ok. Et il y a ceux qui ont besoin de toi sur les rives. Si tu les abandonnes là, il pourrait bien leur arriver malheur. N'embarque sur ce bateau que lorsque tu seras certaine de pouvoir abandonner tes quêtes. Garth peut t'attendre encore un peu. Non, mais en vrai, tu sais, les quêtes sont pas très passionnantes. Hein. Et voilà. Tu es prête à embrasser une glorieuse carrière militaire? J'espère que tu n'as rien laissé sur le feu. Quelque chose me dit que ça sera plus décevant que ce que je pense. Je suis venue pour vous dire au revoir. Tu sais ce que j'ai dit à mon père avant d'aller dans la grotte du rituel? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si je lui ai dit au revoir ce matin-là ou pas. Ce qu'il y a de drôle avec les adieux, c'est qu'on ne sait jamais si on se reverra. Désolée, je voulais pas... C'est pas ce que je voulais dire. Je suis sûre que tout ira bien. J'en suis pas si sûre, parce qu'on va quand même pile dans le royaume de l'ennemi, alors que l'ennemi nous déteste en fait, mais bon. On verra bien de toute façon. Je sais pas si j'ai l'impression de voir des coffres partout, si c'est juste du décor, je crois que c'est juste du décor. Bon, pas d'effet personnel à bord, pas d'armes non plus, et surtout pas de chien. Ça va. Je m'occuperai bien du sac à puce, et je garderai aussi tes affaires. Ah, mais du coup, je vais partir à poil, genre. What the fuck? Je vais en prison, quoi. Parce qu'on allait en prison dans le vin aussi, mais... Genre, on n'y allait pas volontairement, on se faisait enfermer. Attends, j'achète du super matos, il me sert une demi-heure, et après je suis genre... Bon, bah, on ne le prenez pas. Ok. Thank you.
T'as l'ambiance, quoi. C'est classe, mais sinistre. Hein. Oh, mais monstrueusement classe. Bienvenue en enfer. Okay. Regardez-moi ça. On a sacrément bien fait de s'allier au Seigneur Lucien. Quoi qu'il prépare, Lille et moi, on est unis pour la vie. Uh-huh. On avance. Aïe, aïe. Je suis avec ma Lille depuis 13 ans. Je lui ai toujours été fidèle. Si vous la voyez, vous comprendriez. En fait, moi, je suis plus mastoc que les gardes, presque. C'est quoi ce bruit? Non seulement je l'entends, mais je le sens. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Oui, pareil, surtout qu'on nous a enlevé toutes les armes, quoi. Et qu'on est venu volontairement. Parce que c'est un centre d'endoctrinement pour nous faire de nous des soldats dociles. Je suis tellement. Je suis une montagne. Genre, regardez mes cuisses, elles sont plus épaisses que la tête de la mage de Desjans. J'ai passé 6 ans comme apprenti maçon et j'ai jamais vu un bâtiment pareil. Okay. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Ça date de l'ancien royaume, on dirait. Mais pourquoi ça revient maintenant? L'affaire. Le monde derrière ces merveilleux murs est corrompu et totalement pourri. La raison n'est plus. En guise d'ordre, il n'y a que le chaos. Le chaos ne punit pas le mal et ne récompense pas non plus le bien. Le chaos écourte la vie d'innocents et nous devons nous résigner à l'accepter. Je le refuse catégoriquement. Vous êtes au cœur d'un fantastique instrument de changement. Grâce à lui, je referai le monde. Ma création sera d'une perfection. Ah, mais j'avais pas fait gaffe que c'était Lucien. Il a trop changé, non? Mais ma volonté seule ne suffit pas pour cette tâche monumentale. C'est uniquement grâce à votre labeur. Il va nous reconnaître. Pour lui, il nous a tués il y a des années, mais... Qu'Albion sera transformé. N'ayez pas peur des sons ou des vibrations sous vos pieds. Ces sensations seront bientôt aussi familières que vos battements de cœur. J'avoue que ça vibre aussi à ma manette de façon périodique, pile en poule. Continueront de battre. Boum. Je vous demande Boum. Une seule chose, m'obéir. Maintenant, dormez. Je suis désolé si vous avez ça le soir et que ça vous pète les yeux. Ne vous inquiétez pas, je fais ça aussi le soir, ça me pète aussi les yeux. Semaine 1. Bonjour, sale larve. Il m'a rasé la tête et c'est un équipement standard. Car tu n'en sortiras jamais. C'est gentil, tiens. Tu es dans la caserne. C'est ici que tu mangeras et que tu dormiras. Le reste du temps, tu bosseras là où le commandant te le dira. Ton boulot, c'est de veiller à ce que ces rebuts travaillent et de faire tout ce que t'ordonnera le commandant sans poser la moindre question. J'ai enseigné pour être un esclave, quoi. Tu devras obéir immédiatement. Ce qui m'amène à parler du nouveau bijou que tu portes autour du cou. Ce collier fait partie du programme d'obéissance du Seigneur Lucien. Enfin bon, le commandant t'expliquera tout ça. Super, je suis un glebs, quoi. Et n'essaie pas d'enlever ton collier, c'est impossible. Et si tu essaies, c'est la mort assurée. Et pas du genre rapide et sans douleur, crois-moi. Il y en a un aussi, hein, j'ai l'impression. Maintenant, au rapport chez le commandant. Ok. Il m'a dit au rapport, mais du mauvais côté. Mais tranquille. Ah, mais j'allais dire, qu'est-ce que je fais là? Mais oui, je vais chercher Garce, non? Le héros de la volonté qui est enfermé ici. Pardon. C'est bien, il nous laisse à peu près libre, mais on a quand même un collier qui peut nous tuer potentiellement sur la nuque, quoi. Donc, yes. Bah, go, hein. Bah, au moins, ça nous change de la première. En vrai, ça renouvelle la prison du premier, quoi. Là où le premier c'est en mode genre on t'enlève tout ton équipement, il faut t'échapper. Prison classique. Là c'est en mode genre un peu différent.
C'est cool. Même si je trouve que ça arrive quand même vachement vite après. Après l'arène, pour moi, genre justement l'arène et la prison, ça fait ces deux gros. Oui, c'est des cellules, ok. De gros monuments, quoi. Je pense qu'ils m'ont mis de garde. Ah oui. Dès le premier jour, j'ai dû faire une bonne impression. Si Lille me voyait, elle a toujours eu un faible pour les gars en uniforme. En revanche, je suis sûr que le masque lui plairait pas. Il est très intimidant. Ah, ça oui, mais on peut pas respirer là-dedans. Ok. Le masque. Attention à ce gars. Aucun garde ne s'en a... J'ignore. Ah, mais c'est Garce. Mais je sais ce que tu es. Ça doit être une sorte. Ça ne fait rien. Et ici. Sois patiente. Ceci dit, il ne me pose aucun problème. Pas vrai? Il est toujours très calme. En tout cas, j'ai hâte d'écrire à Lille. Et tout lui raconter. Oh, et je suis sûr que tu pourras faire de la correspondance et qu'on va te laisser écrire tout ce qui se passe ici, bien sûr. Allez, faire un rapport au commandant. Ok. Mais c'est une tour du chaos ici ou quoi, genre? Ah, t'as du mal à marcher, toi. Mais je vais pas lui faire grand chose comme rapport. Alors comment s'est passée votre journée? Bah je me suis levé, puis on m'a dit de venir vous voir quoi. D'accord. Vous intégrez bien ici? Bah c'est mon premier jour quoi, donc vous savez hein. Non en fait ils marchent pas bizarre, c'est juste leur démarche. J'ai déjà demandé ce que Lucien allait faire de ces pauvres bougres. Bonjour. Oh, il prie. Je suis le commandant. Vous êtes la re... Oui. Oui. C'est moi, oui. Désolé encore une fois pour la... 12 recrues avant vous. Vous n'êtes rien d'autre qu'un simple maillon de la chaîne. On vous a amené ici pour superviser la reconstruction de la flèche brisée, ainsi que pour servir le seigneur Lucien. Ma mission consiste à m'assurer de l'obéissance de gardes comme vous. Vous ferez tout ce que je vous demanderai. Ah, et du coup, il va y avoir des choix moraux en mode genre, est-ce que j'accepte si de blesser les gens, mais je suis méchant. Situé autour de votre cou s'activera. Cela n'aura rien d'agréable. Vous perdrez toute volonté. Vos souvenirs et votre expérience seront effacés. On continuera jusqu'à ce que vous obéissiez. Ah, jusqu'à quel point je pourrais leur résister? Certains le pensent. Ils font l'erreur de croire qu'il en va de leur honneur. Décidez-vous, votre honneur est-il vraiment si important pour vous? Oui. Et du coup, on peut changer du tout au tout en mode genre on arrive bon et on sort mauvais quoi. Obéissez ou désobéissez au commandant. Moi je veux désobéir. Allez, hein. Venez, obéissez-moi. Chaque fois que vous désobéissez aux ordres, le collier réduit votre expérience, ses effets. Moi je peux désobéir. Allez, je désobéis. Obéis. Soumets-toi, ma volonté. Vous avez perdu l'expérience. Mais après, genre, est-ce que du coup je perds des vraies capacités? Je vous ai dit de venir. Obéissez. Je peux pas la récupérer. Ne bougez pas. Bien. En tant que ça me concerne, moi, je vais y aller, mais... Regardez par là. La flèche est commencée depuis 10 ans. Et il en faudra bien plus pour la terminer. Plus de 10 ans, je vais rester plus de 10 ans ici. Qui dépasse l'entendement. Mais notre progression n'a rien d'un miracle. Après, c'est vrai que j'ai dit que je ferais une run bon, mais ça se trouve, je peux être en mode genre, vas-y, fuck it. Je deviens maléfique. Je vais vous frapper et vous allez me remercier. C'est gentil, tiens. Que je leur donne. Allez, remerciez-moi. Obéissez. Non. Obéis. Fais tout ce qu'on te dit.
Est-ce que ça me fait perdre des compétences que j'ai dépensées ou pas? En majeur, est-ce que je vais ressortir d'ici avec aucun pouvoir si ça continue? Obéis. On t'a donné un ordre à suivre. Bon, d'accord. En vrai, tant que ça me concerne que moi et que je... Ouais, ça c'est inoffensif, mais bon, je suppose qu'on va me faire des choix plus difficiles. Bâtard. Obéissez. Toi, quand je vais pouvoir te tuer. Avec des pics sur la tête, là. Remerciez-moi. Dark Maul brillant. Excellent. Allez, suppliez-moi. Demandez-moi de vous épargner. Ils sont fatigants, hein. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Hop là. Obéis. Supplie pour vivre. Ça, je pense que j'ai pas le choix. Hein. Et là, je pense que ça ne change rien. Hein. Genre, je perds pas de points moraux, j'en gagne pas à résister ou à perdre. Bien, vous apprenez vite. Oui. Ce sera tout. Parce que là, je pense que je vais mettre 38. Aïe. Je vais rester plus de 10 ans ici. Je vais ressortir, j'étais un vieillard. Le commandant m'a fait torturer une recrue ce matin. Ce pauvre gars, c'était plein que sa famille manquait. Heureusement que je n'ai pas de famille. Je viens d'avoir un drôle de... C'est peut-être le collier. Difficile de réfléchir parfois avec ce bruit. En fait... Il a oublié qu'il avait une famille. C'est devenu une sorte d'habitude. Tu as ordre de faire ton rapport à la caserne. J'y vais, chef. Il a complètement oublié son passé, maintenant il est en majorité pour son travail, quoi. Rue 273, au rapport au centre de détention. Bah là, l'outil m'a dit qu'il avait torturé quelqu'un. On l'avait obligé, à mon avis, ça va être pareil pour moi. Hein. En fait, je sais pas à quel point je peux résister longtemps. Ah bah, est-ce que si je dis non 40 fois, c'est bon? Le temps importe peu ici. Bah, le temps importe peu ici. Bon. Si on passe, si on meurt ici, yes. Allez, la ferme. Ah, te voilà. C'est moi. Reste ici et garde ces abrutis jusqu'à mon retour. Ils n'ont pas le droit de manger, alors touche pas aux commandes, ou tu le regretteras. Je vais aller casser la croûte, vite fait. Ok. C'est vraiment bon. Je me régale. Qu'est-ce qu'il appelle touche aux commandes? Moi, je vais les aider, hein. Et il me demande, hein. On va mourir si on ne mange pas. On n'a rien à manger. Obéis. Tu dois impérativement refuser la nourriture. Oui, c'est colorant. Oui, d'accord, ok. Aidez-moi. On mange pas depuis des semaines. Pas de soucis, les gars. Régalez-vous, hein. C'est cadeau. Obéis. Ils ne recevront aucune nourriture. Ouais, ils recevront rien, t'inquiète. C'est tranquille. Je perds mon XP, mais tranquille, je suis quelqu'un de bon. Il en reste combien, là? Il reste beaucoup, là? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je vous aide. Obéis. Je te donne l'ordre de ne pas aider ces personnes. C'est gentil de me donner l'ordre, mais... Aidez-nous. Ah oui, d'accord. J'ai pris un peu cher, quoi. Mais c'est vrai que le jeu donne... Enfin, je sais pas. Je sais pas si je le referais en méchant, je vous avais dit que je le ferais. Mais en fait, hormis l'apparence physique, je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Ouais, je vais être convoqué, on va me dire c'est pas bien. Le commandant voudrait te voir. T'as une lame dans la main, tu feras gaffe.
Vous allez faire votre rapport. Vous les avez nourris ? Non. Oh, ils ont été... Vient de dire, j'ai appris que vous aviez nourri les autres. Les semblants. Ouais, ouais. Je veux dire, non. Moi, les nourrir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti celle-là. Demandez aux prisonniers si je les nourris. Vous allez voir. Bref, c'est pas ambiance ici en tout cas. Bonjour, monsieur le commandant. Je vais vous faire obéir. Je crois que vous vous connaissez tous les deux. Garde 268, je vous ordonne de vous taire. Mon travail, ma peine et mes conditions contribueront à la transformation d'Albion. On peut forcer les récalcitrants à obéir. Ouais. Mais ceux qui en sont incapables... Genre tu veux qu'ils se taisent, mais genre ils répètent la doctrine d'ici quoi. Ouais, est-ce que je pourrais frapper lui genre... Moi, je vais me rebeller, moi. Obéis. Tu jeûnes. Non. Vous avez l'impression de s'excuser. Cet imbécile est irrécupérable. Mais vous, je vous sauverai. Tu me sauveras, là. Faut pas me filer une épée, moi. C'est une punition que vous cherchez. T'ordonne de mettre un terme à cette tristesse. Non. Tout le monde a ses limites. Oui. Et je trouve. Obéis. Tue-le. Non. J'ai dit non. Ça maîtrise la volonté, quoi. Les tâches pénibles paraissent sans fin. Une éternité s'écoula dans la flèche. Chaque jour, les grands murs noirs s'élevaient, assombrissant chaque nouvelle aube et noircissant chaque action ayant lieu dans ces murs. Au fil des ans, la tâche semblait de moins en moins réalisable. Lucien demeurait derrière la lumière blanche, Garth restait caché et d'autres, tels le commandant, apparaissaient, tous aussi puissants que Lucien. Petit à petit, toute idée de liberté ou du monde extérieur s'évanouit. Parce qu'en vrai, si je deviens méchant... En fait, dans le 3, vous pouvez être gentil ou méchant, dans le 1, vous pouvez être gentil ou méchant, mais c'est le côté du... Bah, de toute façon, vous êtes un héros, vous faites ce que vous voulez dans la nature. Là, si je deviens méchant, genre, juste... Genre... En fait, je serai en mode, genre, bah, Lucien, tape mon 5, t'as bien fait d'essayer de me buter, de toute façon, t'as raison, quoi. En fait, tu vois, je trouve que, scénaristiquement parlant, il n'y a pas trop d'intérêt de méchant, en fait. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Vous me direz dans les commentaires. Officier 273, au rapport chez le commandant. D'accord. Oui, tu vas me demander quoi maintenant ? Il est toujours là, Garth ? Non. Ah, peut-être qu'il va me demander de tuer Garth. Je sais pas. On va voir. Enfin, vous ne me briserez pas. Je ressortirai sans aucune compétence. Mais au moins, mes armes déjà sont à l'abri. Je peux pas les perdre. Et c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Tout le reste se regagne. L'expérience, ça se regagne, on s'en fout. L'argent aussi. La construction de l'étage supérieur commence demain. L'homme qui garde le site est attendu pour son rapport. Découvrez ce qui s'est passé. Prenez cela comme une chance de vous racheter. Si vous trouvez l'homme qui a abandonné son poste, escortez-le jusqu'à la salle de torture et attendez les ordres. Ah ouais, grave, je vais grave faire ça.
inquiétez pas, commandant. Je vais grave... Genre, vraiment, genre, à chaque fois que vous me demandez de faire un truc, je l'ai fait. Donc genre, là, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Mais ouais. Vous croyez qu'on va faire toute la flèche aujourd'hui? Attends, on a fait toute l'arène, toute la flèche, c'est bien. Hein, parce qu'en vrai, j'ai regardé vite fait sur les quêtes du jeu pour voir où j'en étais. Et en vrai, l'arène, c'est genre plus de la moitié. Hein. Je crois qu'il y a genre 18 quêtes et l'arène, c'était 11. Enfin, je parle des quêtes principales, hein, genre les gros morceaux de l'histoire. Donc bon, c'est cool en vrai, mais en même temps, c'est vrai que ça passe vite. Ouais, en vrai, ça va me donner envie de refaire le 1. En vrai, je suis nostalgique. Ça se trouve, genre, juste, je vais faire le 1, je vais attendre, genre, ah, et en fait, il était pas super. Non, en vrai, je vais attendre le 4 avec impatience, genre, s'il voit le jour. S'il voit pas le jour, je serai trop deg, putain. Tu te rends au site de construction ? Oui. Je peux comprendre que, en vrai, le 4, genre, voilà, ça peut-être un peu. Hein, on n'en sait rien, ça, le développement est chaotique et tout, parce que justement, genre, il va y avoir tellement d'attentes et tout, mais bon. Temps passé après. Passer après 3. Ah bah. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Couteau d'acier. Aussi bien que votre couteau d'acier. Ok, pistolet. Fiole. 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 Ah mais c'est Garce. N'y arrivera pas avec ce collier. Là, oh, il me l'a enlevé. Te voilà libre. J'ai utilisé toute ma volonté pour détruire nos colliers et ce garde. Je n'ai plus rien en stock. Donc t'inquiète. Suite, c'est à toi de jouer. Je vais dire justement, genre, pourquoi il nous attaque? Le moyen de sortir de la flèche, c'est par la salle du commandant. Alors prépare-toi. On va y aller. Ouais. T'inquiète, Garce. Mais que... C'est... Non, non, vous inquiétez pas, je l'ai sur ma surveillance. C'est vrai que j'ai plus mon collier. Chopez-le ! Ouais... J'ai mes pouvoirs ou pas ? Ouais... Vous n'avez aucune chance. Oui, il suffit d'aller dans le dos, et en fait les ennemis sont pas programmés pour ça, ils sont genre... What the fuck. En même temps, il n'y a qu'un seul un sort qui vous permet vraiment de faire ça. Oh, le combat héroïque, quoi. Waouh. Waouh. Et parce que je fais des coups de boule, c'est pour ça que c'est si long. Encore un problème de connexion. Ouh, tout va bien. Nickel. Let's go. Mais en vrai, si vous avez fait le jeu, dites-moi si ça vaut le coup que je fasse le méchant, hein. Hormis le look visuel. En mode genre. Excellent. Excellent. Oui, merci. Hop là, dans le dos. Ah, ils sont pas très doués, hein. Enfin, sauf pour parer dans le dos comme ça. What the fuck, regardez, ça vient histoire le torse, quoi. Ok, tu veux jouer comme ça? Ok, voilà. Hop là. Vous pouvez acheter mode adresse. Ok. Ça, c'est relou aussi, le fait qu'ils le disent tout le temps. Mais bon. C'est quoi le mode adresse? Ah oui, c'est le zoom, mais je m'en fous, en fait. Moi, ce que je voudrais, à la limite, c'est ça. Ou la vitesse, la vitesse. La vitesse, j'aimerais bien. Le problème, c'est que tant que je l'ai pas pris, il va me le marquer au-dessus, non? Hop là. Oh, ça va, j'ai pas l'impression que Garce ait de la vie. Ah si, peut-être, ouais. Je pense pas qu'il puisse mourir. Ok. J'ai pris un peu cher niveau vie. Et vous voyez, le jeu ne propose pas en raccourci rapide les soins, quoi. Après, quoi que, peut-être que parce que les soins, ça soigne genre toute ma vie. Attends, par contre, on m'a enlevé mes potions ou pas? Oui, d'accord.
Parce que genre j'ai plus de potion de résurrection, donc si je meurs, c'est je recommence tout quoi. Donc je préfère la jouer safe. Est-ce que vous croyez qu'il va encore avoir des gardes ou est-ce que c'est bon genre combat de boss contre... Non. Le jeu, pitié. Oui, ça m'a vraiment... Et j'ai full dashé au cas où. Hop là. Alors les gars, on peut rien faire. Hein. Voilà. En fait, c'est vraiment le meilleur pouvoir, ça. Hein. De toute façon, comme dans le 1, stoppage de temps. Quoique dans le meilleur pouvoir dans le 1, c'est ouais, stopper le temps, mais c'est aussi le... En gros, il y a un pouvoir dans le 1 où on peut taper sur le sol et ça fait une onde de choc, et on peut... En vrai, on peut les spammer les sorts dans le 1, donc on peut faire... Et genre, c'est trop fort. Genre, c'est la meilleure attaque... Enfin, c'est le meilleur truc à faire, en fait, dans les combats, parce que genre... Les ennemis peuvent rien faire face à vous. Hop là. Hop là. Ils aiment pas ça, ils attaquent dans le dos. Ça, on a les trucs les plus forts. Tu ne mourras pas ici. En Paris. C'est peut-être un prisonnier qui disait ça. On peut rien faire pour ces gars-là. Mais j'ai une trappe ici. Non, t'es sûr? Moi, je vais les aider, moi. Mais bon, si tu le dis, je te crois. De toute façon, on détruira, j'allais dire Julien, Lucien. De base, là. Il y en a d'autres. Encore ? Pas de soucis. Tu m'as visé le combat alors. Bon. Ah, je peux faire ça aussi. Hein. J'ai rien dit, la magie c'est bien. Ouh, ok, c'était pas le sort que je pensais, mais tranquille. J'ai fait un garce, allez. Résiste par contre, parce que ma vie, on va faire gaffe. J'avais quoi? J'avais 3 potions de santé, je crois. Donc je peux en utiliser une autre. Hop là, dans son dos. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais rien. Let's go. Et dans ton dos. Et voilà. Dans ton dos. Hop là. Oui. Ils sont trop forts. Non. Avec le lag, j'étais un peu trop lent, mais. J'aime ça. J'adore ça, regarde. Let's go. Ah, je vais prendre un malin plaisir à détruire le commandant. Mais c'est vrai, il a une tête sympa. Pas du tout. Je pense qu'il a la tête que j'aurais si j'étais méchant. Hein. Garce. Quand tu veux. Retourner au bureau, j'y suis. Pas avant d'avoir tué le commandant. Mais il n'y en a qu'un seul commandant. Mais je n'agis pas par vengeance. C'est une notification supplémentaire. Okay. Un groupe de nouvelles recrues est en chemin. Regarde. Regarde. Je regarde mon oeil. Putain. J'ai pas vu de quoi il est là. Vous, j'aurais dû me douter que vous me trahiriez. Ah bah ça que c'était pas du tout. C'était pas du tout évident quoi. Mais je suis obéissant. Alors je vais vous éliminer avant qu'il s'en charge lui-même. On essaye. Allez, go, mec. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, mec, tu gères. Hashtag pas du tout. Ah, tu fais spawner des gars. Ok, ouais, c'est toi, faut que je vise en priorité, quoi. Hop là. Ah, si tu fais spawner des gars à l'infini, moi, je passe. Ah, les gars, défends-toi. Hop là, dès que sur ce point, j'arrive, mec. Hop là.
dans le dos. Hop là, hop là, hop là. Alors, on aime bien la douleur, hein. Non, on aime pas trop. On aime plus ça. On aime quand c'est les autres. Dès que c'est soi, ça peut plus être agréable, hein. Bon, je fais gaffe à ma vie. Ah. Faisons gaffe. Et bon, c'est pas mal de gens, là. Je crois que ma vie était morte. Genre, je pense que genre là, l'arrêt a été pile pour me sauver. Si je fais B, je suis mort, hein. Votre mort. Ouais, grave. Je vais faire ça. Hop là. J'arrête un peu le temps, histoire d'avoir un peu plus de temps. Non. Hop là. En fait, il y a trop de gens et je pense qu'il est... En fait, je sais pas s'il les fait spawner à l'infini. En mode genre, est-ce que je peux genre m'en sortir sans les tuer eux ou pas, je sais pas. En vrai non, ça va, il a fait par spawner, j'ai rien dit. Je vais les tuer. Voilà. Aïe. Voilà. Ouh, j'avais presque plus de vie par contre, c'était un peu chaud. J'espère qu'on va gagner tout ce qu'on a perdu. Ouf. En tout cas, lui, il a retrouvé des forces. Moi aussi. Tu n'as plus besoin de me protéger. Enfin, j'espère. Ça nous aidera à atteindre les docks. Pourquoi t'as ouvert les deux? Un chacun? Non, moi j'ai pas le droit. Ok, c'est la même. Pourquoi t'as ouvert les deux alors? Hop là. En vrai, c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. Sauf que l'un et l'autre n'a pas été plus. Enfin, tout n'a pas été plus court, quoi. Enfin, plus long plutôt. Il est trop fort. Le mec, il coule un navire comme ça. Genre, deux navires en même temps. Ça va, mec? Ah merde, j'ai plus de vie. Ah, ça va être chaud là. Après, je peux faire. Non, je vais juste foncer en fait. Aïe. Juste. Partir. Attendez, on va faire. Ça, on va faire. Let's go, les gars. Non, c'est pas moi. Ah. Hop là. Non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Voilà. Trop d'ennemis, pas assez de vie. Je suis sûrement mort. Ouh. En vrai, les ennemis sont pas trop forts, mais bon, quand même. Oh, ce plan. En vrai, ouais, ça aurait été bien que ça dure un peu plus longtemps, qu'on ait plus de mise à l'épreuve. Et qu'on sente surtout qu'on perde quelque chose, genre qu'on perde en masse musculaire par exemple, ou en taille, au fur et à mesure où on se fait affamer, où on se fait. Où on désobéit en fait. Genre plus on obéit, plus on. Bah non, on aurait les marques maléfiques, mais on reste comme on est, et plus moins on obéit, plus on. Genre on verrait les marques sur nous, les stigmates. Je ne pensais pas revoir le continent. Merci pour ton aide. Mon yange, c'est mon chien. Ami à toi ? Oui. Il y a mon chien, il m'a reconnu. Après genre 10 ans, enfin quoi que je sais pas comment ça se passe, mais... Let's go. J'ai presque plus de vie, genre là je me prends un caillou, je trébuche, je meurs. Ton ami à fourrure vient ici chaque jour depuis une semaine. Il savait que tu reviendrais victorieuse bien avant que je le sache moi-même. C'est pas passé bien loin. 10 ans. Bienvenue mon ami. 10 ans. Tu as réussi l'impossible. Et Garth, bienvenue à toi aussi. Bienvenue? Tu me déranges. Alors ôte-toi de mon chemin. Ta connaissance de l'ancien royaume est grande. Tu sais donc que tu ne peux pas détruire la flèche seule. Notre but est le même. Je te demande d'écouter l'offre que nous avons à te faire. D'accord, je t'écoute. Mais je ne promets absolument rien. Je vais avec Garth. Hammer est à l'auberge de Rookridge. Tu devrais aller la voir avant de me parler. Elle sera ravie de te savoir de retour.
Ah bah... Oh tiens, tu auras besoin de ça. Oui, c'est pas utilisant. Votre vieil équipement. Votre vieil équipement. Prends ma main, Garth. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oh, le plan de fou. Pas du tout. Vous avez enfin recruté le héros de la volonté, mais cela vous a coûté cher. 10 ans dans la flèche. Et Lucien sait qu'il a un nouvel ennemi. Oui. C'est vrai. Mais en vrai, il a eu 10 ans pour faire ce qu'il voulait ici. Hein. Ouais, j'ai plus de vie là. J'ai récupéré mes objets, je vais pouvoir me soigner, mais... Tout fou. Allez, go. Mon chien. Hop là, une potion sera plus vite. Bon, je vois, je retrouve Hammer et... Je pense qu'on va se laisser, hein. On aura fait quand même un bon épisode. Enfin, en tout cas, il sera passé beaucoup de trucs. D'où les magasins à ferme. Ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de faire du shopping. Je peux changer, mon équipement. Vu que j'ai récupéré tout ça, vêtements. Ah, mais vous allez pouvoir voir un peu tout ce que j'avais acheté, du coup. En tenue de bandit, j'ai juste un pantalon. Brigand, c'est ce que j'ai acheté. Ah, mais genre, brigand, genre, j'ai pas de haut. Genre, donc je suis à Walpé, quoi. Ouais, ils ont abusé sur la mécanique de d'embonpoint quand même. Hein. Regardez, non, mais regardez les tenues quoi, genre. Enfin. Bon. Attendez, c'était quoi que je voulais mettre? C'est ça que j'avais avant. J'avais ça plus les chaussures bleues, je crois. Je sais même plus. Celle-là. Ouais, moi je ressemble à rien, mais bon. Par contre, ouais, non, désolé. Ma tête, là. J'ai le bandeau encore de... Le bandeau moche, là. Je le veux pas, ce truc. Pas de chapeau. Ah, mais du coup, c'est vrai qu'on m'a rasé la tête. Allez, let's go. Je vais peut-être m'acheter le chapeau, moi. Ça me donne un look, hein, ouais. Allez, on se prend pas les murs et on fonce. Même si je pense que je pourrais m'y TP, mais bon. Je vais pas être trop loin quand même, j'espère. Ouais, non, mais. Flemme, les zombies. Les zombies. Les bandits, là. Ça fait 10 ans que je suis sur la flèche, là. On va se dégourdir les jambes, là. Ils ont de la vie, hein. Oh, j'ai rien dit, hein. C'est le menu fretin, quoi. Je les éclate. Tranquille. Très bien. Ok, en fait, je vois où je suis un peu, mais... Ouais, je vais me TP, hein. Un peu la flemme, hein. Je crois que j'étais juste à côté, mais tranquille. Bon sang de bonsoir. Ouais. C'est vraiment toi? Ah, je suis méconnaissable, hein. Spétique. Eh ben, t'as l'air en forme, malgré tout. J'ai du mal à y croire. Non, mais regardez, c'est quoi. Vraiment toi? Genre, tu manges 3 tartes et tu prends genre 80 kilos. Ah, c'est bon. J'exagère un peu. Tu as réussi. Tu as sauvé Garth. Je suis pas contre que ça modifie le physique, mais genre, à ce point-là, quand même. J'ai jamais perdu espoir. Surtout que les vêtements sont pas faits pour, en fait, c'est fait exprès pour vous rendre ridicule. Tu parles tous les jours dans ta tête de sa vision du retour du héros. Honnêtement, j'ai eu envie de mettre une claque à Teresa plus d'une fois. Enfin bref, bienvenue. Regardez, elle est forte. Genre, on voit qu'elle a... Elle a du muscle, quoi. Mais genre, elle a un visage qui reste normal. Je le saurai bien assez tôt. On reprend du service. Je dois rencontrer quelqu'un ici qui pourrait avoir des infos sur, tu sais, le numéro 3.
Tu devrais y aller, tu as des choses à faire, des gens à voir. Dès que j'aurai obtenu ce qu'il nous faut, je retournerai à la guilde et Teresa. Le numéro 3. Oh, et bienvenue à toi. Tu m'as manqué. Merci. Ravi que nos adieux sur le dock n'aient pas été les derniers. Tu devrais prendre le temps de récupérer avant de rejoindre la guilde. Non. Je pense que genre juste on va se laisser là. On va se mettre dehors, on va se laisser là. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite. T'as mon héros qui regarde en haut. Regarde devant toi, genre. Mais. Ah, je regarde le. Non, mais. Ridicule. Je vais me mettre là. Je veux pas qu'il regarde en haut. Je veux juste avoir un beau plan, là. Ouais, bon. Je suis pas contre jour, mais bon. Bref, sur ce, n'oubliez pas le like, commentaire, partage comme d'habitude. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la suite. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Passez une bonne semaine.